the two life crew. Two for me, two for you. Woo. Stop talking that shit and suck a nigga dick for some truck fit. J'espère qu'il n'y a rien de... Oups. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, la caméra est un peu basse, mais on s'en bat les couilles. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage de colis. J'ai fait un achat, voire deux achats, parce qu'il y a deux colis, donc c'est deux achats, à un seul abonné, pas mal de Simpsons dedans. J'ai pas de ciseaux, j'ai que ça, donc il y a une petite... Là, vous voyez, en fait, c'est un nouvel écran. Je me suis acheté un nouvel écran, hein, un écran de base, comme tout le monde. Ah, mais moi, j'avais du 4 tiers. Un écran de merde, quoi. Donc, en fait, il a merdé ce matin, il voulait plus fonctionner, puis, j'étais obligé d'aller acheter un nouvel écran. Donc, c'est cool, c'est très cool. Là, c'est French Montana, et puis, je sais pas quoi, mais ça tourne, on s'en bat les couilles. Au pire, si tu te fais chier pendant ce déballage, tu regardes. Tu n'auras pas la musique, mais tu regardes. Donc, on va ouvrir ça, ça vient d'un abonné, Sylvain, voilà, je dirais juste Sylvain. Merde, attends, déjà, comment ça s'ouvre? Je reviens quand ça s'ouvre, enfin, quand j'arrive à l'ouvrir. Donc, c'est des colis que j'ai fait livrer chez Cyril, Cyril2.0, parce que je donne jamais mon adresse. Hop, et donc, c'est Cyril qui me les a ramenés du vide-grenier où on s'est rencontrés le 25 septembre. J'espère que je l'ouvre du bon sens. Non, mais voilà, c'est des petits achats, enfin, 150 euros de Simpson, donc c'est voilà, quoi, hein, quand même. Je sais plus, sur le premier colis, il date un petit peu, il date de juin. Je fais comme Cyril, il date de juin, et je sais plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, oh, il y a une figurine. Non, c'est quoi? Je sais pas. Il y a des trucs, t'es sûr que... Attends, parce qu'en fait, c'est un achat, mais je crois que... Oh là là! Comment il me les a emballés? Je suis en train de vérifier, waouh! Donc, oh là là, putain, il me les a emballés comme... comme emballé, tu vois, comme si t'emballais Kim Kardashian qui se fait voler 10 millions de bijoux. Il les a... Oh putain, et tu les as un peu trop bien emballés, toi, dis donc, hein. Je te remercie énormément de les avoir bien emballés comme ça. Donc, il y a des trucs que je connais pas du tout par rapport à la collection Simpson, enfin, par rapport à ce qu'il peut avoir comme goodies. Putain, pourquoi j'ai pas de ciseaux, moi, merde. C'est un livre... qui retrace un peu tous les goodies qu'il y a des Simpsons. Alors ça peut aller de petits, je sais pas, je suis en train de voir, mais waouh, putain, c'est trop beau, pourquoi ça je l'ai pas? Donc hop, des petites voitures comme vous le voyez ici. Je vous mettrai des petites photos, des petites vidéos, des waouh, c'est putain, c'est super beau, des petites peluches. Waouh, putain. Oh, et t'as les prix, a priori t'as les prix et tout des trucs. Peut-être que ce qui coûtait peut-être plus quand c'est sorti, parce que peut-être que ça a pris un peu de cut. Réellement au niveau du cotage des Simpsons ou quoi que ce soit, j'y connais foutrement rien. Je connais pas les cotes, c'est un peu comme les jeux vidéo, j'y connais pas, mais tu sais très bien que les jeux vidéo, t'as des trucs qui cotent, tu vois. Là, au niveau des goodies Simpsons, je sais pas du tout s'il y a des choses qui cotent ou quoi que ce soit. Donc, le petit guide goodies, on a quoi d'autre? Putain, tu les as super bien emballés, hein, ma poule, franchement. Là, on a... Alors, on a quoi? Ah, on a des dominos. Ah, putain, merci ma couille. Non, en plus, j'aime bien, je lui dis merci, mais en fait, j'ai payé, tu vois, c'est un achat. Mais je sais plus qu'est-ce qu'il y avait dedans, donc je vais dire merci à chaque fois, tu vois. Alors là, c'est des dominos Simpson. Putain, comment c'est tombé, en fait. Oh, c'est tombé, mais c'est pas grave, ça tient quand même. Ça date de 2003, encore merci ma poule. Mais voilà, ça s'est fait bizarre, mais... Waouh, en plus ils sont super lourds. Alors là on a Homer par exemple. Hop, je vais vous montrer ça comme ça. Voilou. On a Marge. Ah, je suis trop content, tu vois. Oh là là, putain. Je suis trop content. On a une petite boîte. Je sais pas du tout ce que c'est là-dedans. C'est quoi? Ah d'accord. C'est une petite figurine à monter a priori. Oh, allez, c'est trop mignon, quoi. C'est... Wow, regardez,
Homer qui fait la cour et tout. Oh là là, c'est trop beau. Eh, c'est trop beau, voilà, c'est trop beau. Merci ma poule. Non, mais toi, tu t'es gouré de colis. Je m'en souviens pas du tout que j'avais commandé ça. Oh putain. C'est quoi ça? Je fume pas. Regardez les gars. Oh, waouh. Ah, c'est mortel. Ok, ça moi, et je crois que c'est tout pour le premier colis, wouhou. On va passer, c'est toujours la même personne avec un gros colis que j'ai payé 120 euros, que j'ai payé 120 balles. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour afin que la déforestation soit notre priorité. Non, c'est pas ça. Donc, enfin, j'ai réussi à ouvrir un peu... avec du mal, hein, 10 ans après, j'ai réussi à ouvrir, tu vois. Il m'a dit, enfin, c'est vrai que je lui ai dit de bien protéger le tout, parce que mine de rien, c'est des petites figurines qui ont fait un petit peu de voyage. Ah ouais, oh là là, oh là là, il m'a mis du petit coton. On va commencer par la petite qui vient juste devant ma figure. J'ai failli... Non, pas la casser, non, faut pas. Alors. Waouh. Alors, vous la voyez pas parce que... Il a vraiment super bien protégé, merci, franchement je te remercie énormément. J'ai plus beaucoup de batterie, on s'en bat les couilles. Je vais changer de batterie, je vais vous montrer celle-là. Waouh. Putain, elle est magnifique. Je pense que peut-être juste comme ça, ça peut peut-être le faire pour vous montrer au lieu de faire d'autres plans. Mais elle est vraiment magnifique, je suis le plus heureux du monde. Hop, je vais vous montrer à la deuxième. Il les a vraiment super bien protégés, hein. Regardez encore une fois, il les a vraiment bien protégés, je pense que la plus, je pense que toutes vont être intactes. Hop, voilà, elle est magnifique, elle est superbe, je kiffe, voilà, il n'y a rien à dire. Hop, voilà, ah, gros crobo, c'est gros crobo, j'ai pas de force, aïe aïe aïe, je me suis brûlé. Oui, je me suis brûlé avec... mais j'ai pas de force. J'ai de la graisse, mais j'ai pas de force. Hop, oh, putain, alors c'est déjà le bordel, alors. Avec... Oh putain, c'est trop mignon, oh là là, putain, c'est trop beau. Oh là là, regardez-moi ça. Putain de merde, quoi. Voilà, là, il fait le focus. Trop, trop beau avec les petites guirlandes, là, les petites guirlandes qui bougent. Oh putain, je kiffe. Pareil, pour ceux qui se demandent, ils sont toutes numérotées. Hop, je vais vous montrer ça sur la prochaine. Ah, putain, Bart, j'adore. Putain, elle est vraiment magnifique. Hop, regardez, elle est vraiment superbe. Et là, les numérotés, 3257. Hop, voilà. Magnifique, voilà. Je kiffe, franchement, je surkiffe. Ouais, je surkiffe. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Là, toujours la petite numérotation, 1734. Mais vraiment magnifique. Tout ce qui est... Putain, par contre, il y a de... Mr. Burns. Oh, putain. Super, voilà. Magnifique, super. Je crois que c'est les mots, tu vois. Vraiment un grand merci à toi de m'avoir vendu ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et sache que ça sera vraiment dans une belle collection. J'ai l'intention de faire vraiment quelque chose de bien avec ces petites figurines-là. Hop, les vraiment, ouais, vraiment quelque chose de bien. Elles sont entre de bonnes mains. Oh là là, putain, je kiffe. Je suis aux anges. C'est un truc de malade. Je complète de plus en plus la collection des BD Simpson. De plus en plus, il me reste encore très très peu à voir. Et franchement, voilà, c'est un putain de kiff. Pareil, j'ai toujours une vitrine, bientôt une deuxième vitrine remplie que pour Simpson. C'est aussi... Bah, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Simpson aussi est très important pour moi. Ça a bercé, je veux pas... Ah, mon enfance, on peut dire ça comme ça. C'est quelque chose qui fait partie de moi avec certains dessins animés et tout. Mais c'est vrai que Simpson, comme série, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé tant petit. Et j'ai kiffé tout le long, même si je regarde un peu moins les séries, enfin les épisodes maintenant, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'a fait kiffer quand même. Et la dernière est sûrement l'une des plus belles, je vais vous la montrer, hein, pas ma bite bien sûr.
Hop, regardez-moi ça, putain. Ah, j'adore de trop, putain, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Voilà, c'est la fin de cet HF dont je sais pas comment je vais l'appeler, mais... voilà, donc là, normalement, on a 10. 2, 4, 6, 8, 10, 10 figurines. Comme je vous dis, j'ai payé 120 euros parce qu'il y a les frais de port. Et un putain de merci parce que tu les as emballés comme... comme la prunelle de tes yeux, voilà, c'est... Waouh, c'est... Merci beaucoup à toi, réellement merci beaucoup à toi, parce qu'elles sont en super bêta. Tu les as emballées avec, avec ton cœur, et putain, ça fait vraiment kiffer. Ça fait vraiment kiffer, voilà, ça fait kiffer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cet HF2 vous aura plu. Merci encore à toi, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, je le demande pas souvent, je le demande une fois tous les 36 du mois. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu par rapport à ce petit achat, n'hésitez pas les amis. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas, faites pas l'amour. Non, c'est pas ça. N'oubliez pas, protégez-vous, faites pas l'amour. Ciao.